Récemment au Liban, une série d'événements troublants évoque un scénario de film d'espionnage digne de James Bond. Des rumeurs persistantes accusent des agents israéliens d'avoir infiltré des dispositifs technologiques avec des mini-bombes appelées Skin. Ces appareils, notamment des talkie-walkie et des bips utilisés par des groupes liés au Hamas, auraient été piégés, ce qui a semé la panique parmi les utilisateurs. L'idée que des pompes miniatures puissent être cachées dans des appareils du quotidien inquiète de plus en plus. Les gens se demandent maintenant si leur propre smartphone, tablette ou autre gadget électronique ne pourrait pas également être manipulé à leur insu. Cette situation soulève de nombreuses questions sur la confiance accordée aux fabricants de ces technologies et sur la possibilité qu'elles soient utilisées contre nous. Ce qui semble autrefois être de la science-fiction devient une réalité effrayante. Alors que la tension s'intensifie au Moyen-Orient, l'apparition de cette nouvelle forme de guerre technologique met en lumière une menace invisible et omniprésente. Est-ce que le début d'une ère où la technologie moderne pourrait devenir une arme discrète mais redoutable entre les mains d'État ou des groupes hostiles? Une question inquiétante à suivre de près.